Good morgen, allez, Iden, les suisses aujourd'hui le Nishmat, Shimon ben Eleo Vekuga, ainsi que l'Irfot Olivier sur le Shimon ben Chaya Esther, Etel Myriam Lea Bat Sarah Chaya Rivka Bat Lea Ubna Noladla, Sarah Bat Nechama Betor Shar Chole Israël. Si vous souhaitez aussi d'aider une prochaine étude du Mishnah, contactez la 5 minutes éternelle. Nous étudions la Sechet Psachim Perik Bet Mishnah Zain. En Shorin et Amursan Latane Golin, Aval Choltin. האישה לא תשרה את המורסן שתוליך בידה למרחץ, אבל השפעי בבשרה יבש. לא ילעוס אדם חיטים ויניח על מה כתוב בפסח, מפני שהן מחמיצות. On va à présent de plus en plus découvrir des sujets de chametz. Qu'est-ce qu'on considère comme du chametz? Faut savoir que mélanger de l'eau et de la farine, ben, on va découvrir plein de situations où les choses ne fermentent pas forcément. Il y a plusieurs conditions requises. À notre époque, bien sûr, dès qu'il y a de l'eau qui touche de la farine, on ne la touche même plus. Même quand on fait les matzot, il faut les travailler constamment. Malgré tout, on va découvrir dans le Mishnayot qu'en réalité, il y avait plein de techniques de quand on travaillait la pâte, ça devenait pas chametz. Là, pour le moment, on va commencer de toute façon en douceur. Ce sera plus tard, dans le Mishnayot, beaucoup plus loin, on découvrira plus. Déjà, on a une première petite série dans notre Mishnah. En Shorin et Amursan la Tarnegolin. On ne fera pas tremper le moursan. Le moursan, c'est le son. Lorsqu'on sépare, je ne sais pas exactement comment on procède, ce qu'il y a dans la farine complète, en fait, il y a le grain de blé, et avec son c'est la petite peau qui est dessus. Il y a moyen de séparer le son, bien sûr. Et le son, alors, c'est de la pour le donner à manger aux poules, aux volailles, alors on avait l'usage de le faire tremper, et on donnait ça à manger. Et la Mishnah m'enseigne, ben, tu n'auras pas le droit de tremper de mettre à tremper le son dans de l'eau pour le donner à manger aux poules, aux volailles, à Pessah, parce que ça va devenir du chametz. Il reste dedans un petit peu de particules de farine, bien sûr, et donc ça va devenir du chametz. Par contre, la Mishnah me dit aval choltin. Par contre, on a le droit, donc tu pourras, si tu veux le préparer malgré tout, le ramollir et tout ça, eh bien tu pourras être choletoto, le mettre à l'ébouillanter, le mettre à bouillir dans l'eau. C'est une technique qu'on ne fait plus du tout à notre époque. On n'approche pas ça, on a minag de ne pas s'amuser à ça. Mais concrètement, tant qu'il y avait de l'eau chaude, de l'eau qui bouillait, et bien qui bouillait, on avait le droit et qu'on met de la farine, qu'on mélange dedans et qu'on mélange, tant qu'on mélange, ça ne devient pas du chametz. D'accord? Et du coup, selon ce principe, le moursan ne devient pas chametz. Donc, pour donner à manger aux poules, tu le mets dans de l'eau bouillante qui est en train de bouillir, et tu mélanges dedans, et comme ça va ramollir, et ça ne va pas devenir chametz. Je ne connais pas exactement les limites, à partir de quand on va considérer que c'est cuit et que ça ne deviendra plus jamais chametz. Je ne sais pas. D'ailleurs, parce qu'on ne sait pas exactement comment procéder pour tout ça, du coup, on ne permet pas de le faire. D'accord? Aïcha lo tishre et amoursan, on continue avec le son, en disant qu'une femme, cette fois-ci, ne mettra pas à tremper du moursan, du son, shetolich beyada la merchatz, pour qu'elle la porte en main au merchatz, au bain. Le Barthénora rapporte que, je ne sais pas exactement qu'est-ce que ça faisait sur la peau, de prendre le son mélangé à de l'eau, et l'étaler sur la peau. Apparemment, ça rendait, c'est une manière de nettoyer, je ne sais pas si c'était pour nettoyer ou pour rendre la peau plus fraîche, je ne sais pas. Un soin du corps naturel, avec donc le moursan, le son, on le mettait à tremper dans l'eau, et puis après on l'étalait. Ben, la femme ne pourra pas le mettre à tremper, et l'amener ensuite au merchatz. Pour quelle raison? Parce que d'ici qu'elle va le faire chez elle et qu'elle va l'amener là-bas, c'est pas instantané, ça va passer un petit peu de temps et ça va commencer à fermenter. Par contre, elle a une solution, c'est aval shafai biv sara yavesh. Par contre, elle a le droit de le mettre sur elle tant qu'il est sec. C'est-à-dire, le Bart, comme nous le dit le Barthénora, afalga veshamaim tofrin al besara, même s'il y a de l'eau sur sa peau, mais attention, c'est de l'eau, comme il dit le Tosot Yom Tov, il précise, on parle de transpiration en fait. Elle peut se mettre à transpirer, et du coup, elle va être humide, et là, elle pourra mettre dessus le moursan. Le grand chidouche, il est que la transpiration de l'homme ne fait pas fermenter les choses. Il y a sur ça un long tifet Israël, on le fera après, puisqu'on a une Mishnah courte relativement aujourd'hui, un long tifet Israël qui va rentrer dans tous les détails des liquides qui peuvent sortir du corps de partout, et des animaux, pour savoir est-ce que ça va devenir chametz. On va expliquer, on va le faire après à la fin. Pour le moment, je continue d'avancer, donc la transpiration ne fait pas fermenter. Du coup, si elle a envie de se rafraîchir, enfin, je ne sais pas, de faire sa peau qui va devenir plus hydratée, ou je ne sais pas à quoi ça sert,
Alors elle pourra mettre, étaler le moursan sur sa peau, même si elle est en train de transpirer. Pas si elle est mouillée parce qu'elle sort de la douche. Et donc elle pourra le faire comme ça, et puis après elle pourra l'évacuer en entrant dans l'eau pour le faire tomber. Encore, la Mishnah continue en disant aussi, Loïl os adam chitin veyaniach al makato bepesach, un homme ne mâchouillera pas du blé pour le poser sur sa blessure à Pessah, ni penechen machemitzot, parce que la salive, cette fois-ci, elle fait fermenter. La Mishnah, elle m'enseigne cette fois-ci, je ne connais pas la technique non plus, mais que lorsqu'on a une blessure, eh bien à l'époque, ils utilisaient, ils prenaient des grains de blé, ils les mâchouillaient, ils fabriquaient une sorte de pâte comme ça, et ils mettaient ça sur la blessure, et la blessure se refermait. Et bien, à Pessah, tu ne pourras pas le faire, parce que cette fois-ci, tu vas mettre du blé dans ta bouche, à la différence de la transpiration, ta salive va faire fermenter les choses. D'accord? On a fini la Mishnah, maintenant je vous fais vite fait le Barthénois, le Tiferet Israël, qui rapporte toute une série de choses. Alors, il nous dit, premièrement, la salive, donc comme on a dit, ça ne fait pas fermenter. D'accord? Autre sujet, par contre, la salive, est, non, comme on vient de dire plutôt, la salive fait fermenter, bien sûr. Et idem aussi la salive des animaux. Donc du coup, c'est entre parenthèses une galère, parce que si on veut donner à manger des céréales aux animaux pendant Pessah, alors il précise qu'il faut donner en petite quantité. Méat, méat. Tu lui dis, tu le donnes peu par peu, comme ça, ce que tu l'as mis, ça va manger, parce que sinon, il va se mettre à baver dans ce qu'il mange. Et du coup, spécialement, je crois que les vaches, la Gemara le précise dans le Shabbat, les vaches spécialement bavent beaucoup pendant qu'ils mangent, ils salissent tout. Et ils ont du roc qui leur sort de la bouche, quoi. Et du coup, ça risque de fermenter, donc tu leur mets des petites quantités à chaque fois. Et alors du coup, le Tiferet Israël continue en rencontrant aussi tous les liquides qui sortent du gouffre de l'homme, du corps de l'homme, autant que, alors là, les muqueuses du nez, la hnouna, comme on dit chez nous, les dmaot, les larmes, tout ça fait fermenter. Par contre, les matières fécales, eh bien, ça ne fait pas fermenter, idem avec si elles sont épaisses. Après, on va voir après si elles sont liquides. La transpiration, le sang, ça fait pas fermenter. Et qu'il s'agisse de ceux d'un humain ou ceux d'un animal. D'accord? Idem aussi pour les graisses, ça fait pas fermenter. Vous prenez du graisse d'animal, une graisse d'animal qui font du beurre par exemple, vous mélangez avec de la farine, moi ça fait pas fermenter. C'est pas considéré comme une fermentation. De nouveau, je précise, ce qu'on appelle fermentation, on sait pas exactement c'est quoi non plus, faire fermenter, on sait pas. À l'époque de la Gemara, ils savaient regarder une pâte et regarder est-ce qu'elle était devenue Hametz ou pas. Aujourd'hui, je dis, on fait pas ça. Si vous êtes déjà parti voir là, une fabrication de matzah avec le nombre de nerfs et de tensions qu'il y a dans l'atmosphère pour fabriquer les matzot, que tout soit le plus propre, parce qu'on ne sait pas c'est quoi du chametz, si c'est pas du chametz, d'accord? À part ça, maintenant, autre chose, c'est le tzoharaka, cette fois-ci, si c'est des matières fécales liquides. La diarrhée. Eh bien, il y en a qui disent que ça rend pas chametz, il y en a qui disent que ça devient chametz. Donc du coup, si vous avez un animal malade et que c'est tombé sur la nourriture, il va falloir vite l'évacuer. Et meraglaïm, cette fois-ci, c'est l'urine. Alors les hommes, celle des hommes, ça rend chametz, celle des animaux, c'est une discussion. C'est fréquent pour les animaux, vous réalisez bien. D'accord? On lui met à manger dans l'étable, on en met en grande quantité, et puis il peut faire dessus. Et alors, donc il y aura une discussion, est-ce que ce sera ou non du chametz? Donc il y en a qui disent que c'est comme des mépérotes. C'est comme des mépérotes. On a oublié de le dire aussi. Les mépérotes, c'est les jus de fruits selon la Gemara, ne font pas fermenter. Aujourd'hui, il y en a qui mangent encore, il y en a qui mangent la matzah shira, qui font des gâteaux, là, des galettes d'agent, là, comme ça, en France, qui le font avec le vin. Et tout ça, en théorie, c'est pas censé faire fermenter. Seulement, s'il y a un liquide qui rentre dedans, ça peut devenir encore plus grave. Du coup, il y en a beaucoup qui s'écartent complètement de tout ça. C'est très discuté. Et voilà. Ah, et à part ça aussi, l'humidité des murs, la condensation, en fait. Ça aussi, ça rend chametz, bien évidemment. Donc, quand il faut entreposer le chametz à la maison, ou là où vous le mettez, faites attention qu'il n'y ait pas un endroit chaud, qui va y avoir de la condensation, et la nuit, ça va dégouliner des murs, ça va tomber dessus, ça va rendre chametz de nouveau, d'accord? Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine d'Hatzlacha Kol Tov, ça va.